Salut, donc on est le jeudi donc de l'Ascension, donc 21 mai donc 2020, donc là je suis au marché, voilà, donc j'en reviens, donc voilà un petit peu dans l'état où les gens sont. Pardon. Voilà, donc une semaine à un endroit, une semaine à autre. Alors bonne journée, bon courage, à la prochaine fois. Alors vous êtes de l'autre côté la prochaine fois, c'est ça? D'accord, ok. Voilà, donc ils ont tout chamboulé. Mais ici, c'est plus intelligent quand même qu'à Saint-Cyprien. Au marché Saint-Cyprien, c'est taré. Comment? Non, mais ici, moi, j'habite à Saint-Cyprien en ce moment. Et il y a le marché. Et bon, je préfère venir à pied ici que d'aller là-bas, quoi. Puis les gens, ils sont complètement à la masse là-bas. Voilà. Bonne journée. Bon, à bientôt. Bon voilà, je reviens du marché, donc là c'est sur les boulevards, donc drôle, enfin, il y a beaucoup de gens quand même qui sont pas dupes, hein, de la situation, mais bon, ça me fait marcher de venir ici. Voilà, il y a Décathlon, non, le parc n'est pas ouvert, nous sommes jeudi de l'Ascension. Le jeudi, donc 21 mai 2020. Et là, donc je rentre, je vais vous montrer donc la basilique à Saint-Cernin. Voilà la bourse de l'immobilier. Voilà, ça c'est le lycée Ozène. Et donc c'est la rue Jean-Baptiste Merli, Joseph Merli. Donc lycée Ozène, liberté, égalité et choucroute. Petite école maternelle, Merli. Voilà. Et là, tourisme, loisirs, culture, association de tourisme social. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Association, je regarderai, il y a le tlcmp.fr, on le voit. Institution Sainte-Marie de Nevers, donc ça c'est un lycée, collège, privé. Et là, voilà. Là, je vais monter sur le trottoir parce que les voitures. Voilà, je vous la montre. La basilique Saint-Cernin, donc l'église Saint-Cernin. Donc, ah ben tiens, le ciel est beau là, cette photo là. Voilà, cette image, elle est belle à voir. Voilà, une petite visite touristique. Donc, si vous voulez lire ce qu'il y a décrit, ben vous ferez un petit arrêt sur image. Je vais vous le mettre quand même en français. Voilà. Donc en français. Alors le chevet de la basilique, il s'impose aujourd'hui comme un point de vue emblématique sur l'édifice roman. Sa mise en valeur résulte d'une volonté récente de révéler la qualité architecturale de l'ensemble de la basilique. Voilà, donc la petite explication, donc je vous laisserai lire tout ça. Donc petite gravure, vue du chevalet de la basilique vers 1840. Donc, s'il y a des Anglais, Espagnols qui regardent pour pouvoir lire, ils le feront. Voilà, direct. Voilà, donc...